Alors bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens parler de bonheur, d'amour et de liberté. Cette vidéo fait suite, donc en tout cas s'inspire de différents mails, messages et échanges aussi que j'ai eu avec certaines personnes. Parce que c'est quand même bien au cœur de la vie, je crois, ces questions. Bonheur, amour et liberté, et particulièrement dans ce lien de flammes jumelles. Alors, lorsque, en effet, on rencontre peut-être son grand amour, ou celui, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, qui nous éveille à l'amour présent dans notre cœur. Je vais insister sur cette notion qui est cruciale et qui est fondamentale, et faire juste une petite parenthèse quand même là maintenant, c'est que je reçois un peu de plus en plus de mails, je pourrais dire, ou de messages, de sollicitations, donc j'essaye de vous répondre au fur et à mesure, mais voilà, des fois ça me prend 3-4 jours pour apporter une réponse, et en sachant que selon vos partages, par moment, le mail ne sera pas suffisant pour développer, pour aborder et surtout toucher des choses subtiles de ce que vous exprimez. D'accord? Parce qu'il y a tellement d'interprétations possibles que c'est délicat. Mais dans l'essence, ce que je peux dire, c'est que déjà dans les messages que vous pouvez me transmettre aussi, ils contiennent déjà beaucoup de clés. Et si en ayant écrit ce que vous avez écrit, vous relisez ce que vous avez transmis, vous pourrez déjà capter des choses de votre inconscient. Donc des choses latentes, des choses présentes dans votre esprit, mais qui ne sont pas encore conscientisées, et qui sont vraiment des clés non seulement de votre évolution en cours, ou je dirais réalisée, mais aussi celle à venir, et donc de ce qui est déjà en train de se produire. Donc ça, c'est une première parenthèse. La deuxième, c'est que il y a aussi vraiment, je vous encourage, je vous invite à aller parcourir toutes les vidéos que j'ai proposées, autant sur ma chaîne principale de Jérôme Lebras, enseignement et thérapie, qu'une autre que j'avais faite à un moment donné, mais du coup j'ai laissé quelques vidéos dessus, il n'y en a pas beaucoup que j'ai laissé, mais que j'avais rajouté en fait, sur la chaîne Flamme Jumelle, Alchimique Processus. Et là, il y a vraiment aussi, en tout cas, des transmissions, des consciences, des considérations qui peuvent être très riches d'enseignements pour vous. Et va venir éclairer les différents points qui vont d'ailleurs être un peu abordés dans cette vidéo. L'amour. Donc, comme je le disais, la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de son grand amour, cet amour que l'on aspire peut-être à rencontrer dans notre vie depuis notre enfance, peut-être on se pose cette question de retrouver son complément d'âme. Alors, peut-être pas avec ces termes, certes, mais à trouver l'être complémentaire. Parce qu'il y a quand même une chose qu'on peut se poser comme question, en tout cas une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi être en couple? Pourquoi être avec quelqu'un? Pourquoi cette aspiration au mariage? Pourquoi, et je ne parle pas ici de dogme ou de religion, hein, il y a une incitation religieuse, c'est-à-dire qu'en fait on a fait de ce qu'on pourrait appeler un exotérisme, un dogme religieux qui devient, je dirais parfois, une coquille vide. Et simplement par principe, par tradition qui a pu perdre l'essence de son être, c'est-à-dire son âme, eh bien on va faire des choses, voilà, parce qu'il faut les faire. Mais sans toucher la profondeur, on va dire, ésotérique, c'est-à-dire ce qui est contenu dans l'essence de la forme, et donc être déconnecté de son sens. Mais en nous-mêmes, il y a bien un appel et une aspiration. En règle générale, cet appel et cette aspiration sont mus par le sentiment du manque. Et non pas du partage des compléments. Donc c'est-à-dire qu'on cherche à l'extérieur à compenser une souffrance et donc aussi à éviter de la rencontrer. Et tant qu'on vit, je dirais, dans la peur, l'évitement et le désir de compensation, eh bien on est dans le péché. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est à côté de la cible. Hein, je rappelle rapidement cette définition qui est donnée à ce terme. Péché, c'est tirer à côté, quoi, c'est viser à côté. Donc c'est être à côté. Et dans ce être à côté, ce qu'on pourrait aussi y trouver, c'est être à côté de quoi? De soi. C'est-à-dire marcher à côté. Je l'avais partagé comment dire? Dans mon parcours, dans ce que j'ai donné comme les différents chapitres que j'ai offerts sur ma chaîne aussi, sur mon parcours de vie,
Pendant un certain temps, j'avais le sentiment de marcher à côté de mon chemin, avec cette impression d'aller dans la bonne direction, mais de marcher, je dirais, dans le fossé. C'est-à-dire que j'avais conscience que ce que je vivais était difficile, douloureux intérieurement, même si extérieurement ça pouvait être bien, que je pouvais vivre des belles choses. Pendant tout le temps où j'ai vraiment, où je pratiquais les arts martiaux, quand j'ai vraiment trouvé les arts martiaux sur mon chemin, c'était vraiment une révélation du cœur. Que j'enseignais, c'était vraiment très, très puissant. Enfin, tout ce que je pouvais vivre dans le domaine des arts martiaux était vraiment merveilleux. Pour moi, c'était très, très fort. Mais en même temps, même dans ce domaine-là, j'avais le sentiment qu'en effet, il y avait quelque chose qui était encore à côté. J'avais vraiment ce sentiment-là. Et c'était le cas dans tous les domaines de ma vie, en fait, autant sur le domaine professionnel que dans le domaine familial. Il y avait des choses qui étaient, ou de relations de couple, il y avait des choses qui étaient très fortes, qui étaient très nourricières et vraiment justes et à leur place, mais en même temps, je voyais, je sentais ce qui n'était pas en phase. En tout cas, je ne le voyais pas suffisamment clairement pour pouvoir m'en extraire, je dirais, mais je le voyais suffisamment clairement pour en avoir conscience. Et donc sentir qu'en moi, il y avait toujours un dénigrement, un sentiment de ne pas être assez à la hauteur, enfin voilà, tout, un sentiment de manque, une aspiration à plus, voilà. Et le désir aussi, ben, en effet, enfin, je voyais que je cherchais cet amour, cherchais l'amour en fait, hein, dans ma vie. Et c'était pas ma compagne qui me permettait de le trouver en tant que tel, c'était pas mon maître d'art martiaux qui me permettait de le trouver en tant que tel, c'était pas mon travail qui me permettait de le trouver en tant que tel, bien que je pouvais toucher des bribes de ça, mais je ne le trouvais pas. Et il y avait toujours quelque chose en moi donc, qui était dans une espèce de quête. Et jusqu'au jour où, ceux qui me connaissent un peu le savent maintenant, en tout cas ceux qui ont vu mes vidéos, quand il y a eu cette rencontre avec cette personne, que je nomme, ou en tout cas que je reconnais comme étant ma flamme jumelle, cette âme, voilà, qui résonne profondément avec mon cœur, l'âme originelle, eh bien, c'est à ce moment-là que mon cœur s'est ouvert. En effet, il y a quelque chose qui s'est brisé et qui a laissé émaner l'amour que je portais dans mon cœur. Et c'était ça le début de cet effondrement, mais qui était tellement latent depuis tant d'années. Comme je vous disais, avec ce sentiment d'aller dans la bonne direction, mais de marcher à côté de mon chemin. Et ce qui a, j'avais ce sentiment-là très tôt, hein, j'avais une trentaine d'années, et j'arrivais pas à faire autrement. Et je voyais, c'était laborieux, quoi, laborieux. Et malgré tous les efforts que je pouvais tenter de faire pour que ça se passe bien dans le contexte dans lequel j'étais, et ce que je crois que beaucoup d'entre vous pouvaient vivre également, ou avaient pu vivre jusqu'à un certain point, avant d'initier, ou en tout cas oui, qu'un changement, qu'une transformation se mette en route en vous-même. Et j'insiste sur cette formulation des choses, que quelque chose se mette en route en vous-même, malgré votre volonté. Intellectuel, mental, parce qu'au moment où ça se met en route, il y a à la fois une grande libération, c'est-à-dire qu'on sent quelque chose qui s'enclenche et qui nous transporte, nous emporte justement, nous extrait même d'une certaine manière de quelque chose qui ne nous convenait plus, pas, mais en même temps, avec toute cette impuissance de faire autrement que de le vivre. C'est-à-dire qu'à la fois ce qu'on pouvait tant désirer profondément, plus ou moins consciemment, arrive, mais à ce moment-là, ben c'est bouleversant. Donc il y a une part de nous qui peut s'en réjouir et une autre qui peut en souffrir tellement grandement qu'elle aimerait vraiment que ça n'arrive pas. Donc, quand ce cœur s'est ouvert, que cet amour s'est révélé dans mon cœur, ça a été une grande révélation, ça a été le grand déclencheur et qui a été, ça y est, la bascule qui a pu se produire au regard de ce que je disais, qui s'était préparé pendant tant d'années auparavant, que je sentais, que je savais. Et est-ce que l'amour est possible malgré l'absence de la flamme jumelle ou de son âme sœur, celle en qui on reconnaît ce grand amour? Ma réponse, elle est heureusement que oui, et il ne peut en être autrement. Tant que je crois que l'amour que je porte en mon cœur
l'amour que je porte en mon cœur, est dépendant de la présence ou de l'absence de l'autre, c'est un bonheur qui reste, enfin, un amour qui reste conditionnel et qui reste dépendant donc d'une condition extérieure. Et ce n'est pas un amour donc libre. Et s'il n'est libre, alors il n'est pas véritablement de l'amour, parce que l'amour est libre. L'amour ne peut être enfermé, l'amour ne peut être saisi. Donc ce qui est révélé par l'autre, en nous, le sentiment profond d'amour, c'est-à-dire qu'on le ressent en soi, on l'expérimente, n'est pas ce que l'autre vient poser en nous, mais vient révéler de nous. C'est un aspect qui vit en soi, puisque c'est l'essence même de notre être. Et du coup, bien sûr que dans toute la part de la personnalité, mais aussi de l'aspiration de l'âme, de le vivre, de le partager avec cet autre, il pourra y avoir cette forme de tension et de souffrance pendant un certain temps. Pendant tout le temps de ce qu'on peut nommer la dissolution de l'ego, en fait, la dissolution de l'ego, c'est une reliance à l'être essentiel que nous sommes. Et qui nous amène à être dans cette maîtrise de l'être. Quand on s'en remet à cette volonté de notre cœur. Et qu'on s'inscrit dans ce qu'on peut appeler la foi, la grande confiance. Et pour faire un clin d'œil à quelqu'un qui m'a envoyé également un message, ce n'est plus un espoir qui lui projette dans un futur hypothétique, qui peut rassurer l'ego puisqu'il vit à la fois dans le passé et dans le futur, rarement dans le présent. Et quand il est dans le présent, ce n'est plus de l'ego, c'est de l'essence de l'être ou du grand ego universel. L'espoir peut être le moyen de tenir sur ce plan égotique. C'est la conscience dans cet espoir que la fin de l'épreuve s'en vient également. Que l'orage, et du coup c'est pas de l'espoir, on rentre vraiment dans la foi, parce que c'est la foi, c'est la connaissance. L'espoir, c'est l'ignorance. La foi, c'est la connaissance. La foi, c'est quand je connais la nature. Je sais qu'il va pouvoir pleuvoir, je sais qu'il va pouvoir y avoir de l'orage, je sais qu'il va pouvoir y avoir du froid, etc. Mais j'ai aussi la connaissance, c'est-à-dire je sais que ça va passer. Et que au-delà des nuages, perdure le soleil. Il y a même une conscience encore au-delà de la présence du soleil, puisque c'est une manifestation. Elle aussi est temporelle. Donc temporaire, et qu'il y a quelque chose encore au-delà de ce soleil, de notre cosmos, de notre univers. Et ça, c'est plus j'intériorise, plus je prends conscience, plus je suis en présence, et donc relié à l'essence de mon être, plus je peux en avoir la connaissance. Et c'est pas intellectuel là, c'est pas du mental. C'est pas un espoir, c'est pas une espérance. C'est une vérité qui s'impose à notre conscience, parce que elle est la conscience. Donc si je peux ramener les choses à cet endroit-là, prendre conscience que l'autre n'est que l'éveilleur du bonheur que je porte et de l'amour que je porte. Pourquoi je parle du bonheur en lien avec l'amour? Parce que j'ai aussi eu dans mon message, dans des messages, vraiment plusieurs en même temps, donc c'est intéressant de voir les vagues comme ça. C'est, est-ce que je vais pouvoir être heureux? Aujourd'hui, je ne recherche plus le bonheur. Ce que je veux, c'est me trouver moi-même, c'est me réaliser, m'accomplir. En fait, oui, on pourrait dire qu'il y a deux types de bonheur. Il y a les petits bonheurs éphémères, du monde de la consommation. C'est, j'ai un bonheur quand j'obtiens quelque chose. Donc, j'ai un bonheur, qui est différent de, je sens le bonheur, je suis heureux ou je suis heureuse. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, je suis connecté
à la joie qui vit dans mon cœur. La joie, c'est juste l'émerveillement de la vie qui se vit en elle-même. Ce que dans certaines traditions, on va appeler aussi la béatitude. Et cette béatitude, on parle également de vacuité, c'est-à-dire le grand vide. Et cette notion du... On peut appeler ça aussi le wuji, c'est le mot, c'est l'espace de non-être. Il n'y a rien en fait qui soit objectivable. Ça veut dire que ce ne sont pas des objets. C'est un état d'être qui est au-delà de ce qu'on peut nommer. C'est pour ça que c'est un non-être. Ce n'est pas quelque chose. C'est le sans-chose qui est les mille choses, qui est toute chose. Et c'est un endroit dans lequel en fait il n'y a plus de mots pour en parler. Y a pas de... C'est juste, c'est une expérience. Je pense même que c'est au-delà d'une expérience. Donc cette notion de bonheur, c'est l'espace où on est juste là, présent avec soi. Et pour toutes celles et tous ceux qui peuvent en effet dire, ben moi le bonheur, j'y crois pas, j'y crois plus, c'est pas ce que je cherche. Certes, c'est important de ne plus chercher son bonheur à l'extérieur, au travers d'objets ou de choses ou de personnes, mais de pouvoir le réaliser, c'est-à-dire prendre conscience de sa réalité intérieure. Donc le réaliser en soi-même. Ça, c'est le chemin. Et au moment où on réalise cela, au moment où ce n'est plus dépendant de l'absence ou de la présence de l'autre que l'on soit dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur ou dans la tristesse, la souffrance et le désespoir, à ce moment-là, on touche à l'espace de la liberté. Nous devenons totalement libres. Qu'importe la prison extérieure dans laquelle vous pouvez vous trouver, vous êtes totalement libre. Ainsi, bonheur, amour et liberté sont une seule et même chose, bien qu'on puisse les distinguer. Quand on touche à cette notion de bonheur, amour et liberté, cela tient de la connexion à l'espace de paix qui est en soi. L'espace de paix est en lien avec la foi, l'abandon. L'abandon à ce courant de la vie qui nous vit, que nous sommes, qui se vit en nous-mêmes. Et à la fois, il y a un moment où on peut en effet distinguer ces différents états d'être. Parce que nous restons des êtres qui vivons sur plusieurs dimensions en même temps. Et nous pouvons observer ces différentes dimensions. À la fois, elles sont multiples, et à la fois, elle est unique. Et ce qu'on appelle la voie du juste milieu. Vivre au cœur, vivre au centre. C'est trouver ce point d'équilibre dans le mouvement. Cette stabilité en mouvement. Donc vraiment ici dans cette vidéo que je ne vais pas faire très longue, en fait j'en ferai une autre par rapport à la question sur les rêves qu'on m'a posée et la connexion avec son jumeau ou sa jumelle. Là aussi je fais une nouvelle parenthèse, mais allez voir des vidéos que j'ai faites il y a à peu près un an sur ces thèmes de connexion à son jumeau, de ne plus l'avoir en présence, de ne plus l'avoir en conscience, la perte avec la connexion avec les guides. Tout ça j'en parle dans des vidéos il y a un peu plus, environ un an maintenant. Printemps-été 2019, j'ai abordé ces questions-là. Donc allez les voir en attendant la prochaine vidéo que je pourrai vous proposer sur ce thème. Mais voilà, donc dès maintenant, prenez déjà vraiment conscience que ce n'est plus un bonheur en effet extérieur, conditionné, conditionnel que vous êtes en train de rechercher et que c'est celui-ci en effet que nous sommes invités à un moment donné à laisser tomber. C'est comme si on allait picorer des miettes, les miettes d'un gâteau, les miettes d'une belle miche de pain. Quand les enseignements nous sont donnés pour rencontrer le bonheur, l'amour, la béatitude,
la paix, la joie profonde, tout ça, toutes ces énergies, la liberté. C'est pas les petites miettes de la société de consommation qu'on veut nous donner. C'est pas une accumulation de miettes qui reconstituera le pain. C'est parce qu'on va trouver l'origine de sa fabrication, de sa constitution, de sa conception, que nous allons pouvoir, sous le feu de notre chaleur intérieure, donner vie à ce pain que nous pourrons consommer chaque jour, librement. Alors oui, ne plus chercher les miettes à l'extérieur que des hommes et des femmes peuvent jeter comme on les jette à des pigeons, à des oiseaux, comme ça. Mais de venir le transformer à l'intérieur. Tout est là pour le faire. Le blé, l'eau, le souffle qui vivifie, le feu qui est en nous. C'est cette alchimie intérieure qui vient à transformer notre cœur et révéler cet amour qu'il porte de toute éternité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre présence. J'ai pas encore eu le temps de regarder tous les commentaires qui ont pu être partagés. Mais voilà, en tout cas, je suis heureux de ce que ça peut vous apporter et constituer pour vous accompagner sur votre chemin. À bientôt.